Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la boss des boss, Myriam. Aujourd'hui, gros concept la famille, explique-leur c'est quoi les bails. On va manger marron vs multicolore. Salem, mais comment on peut manger multicolore? Je dois prendre un aliment où il y a au moins 2 couleurs et maximum 4 couleurs. Voilà. Par exemple, ça, c'est multicolore. Mais viens, on va prendre un petit déjeuner. Regarde, est-ce que c'est le multicolore? Oui, oui, on a compris. Viens, on va dans la cuisine. On va dans la cuisine, on va voir ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Allez. Pour le petit déjeuner maintenant des couleurs, j'ai un sac avec les produits les plus rares du monde. Mais comment t'as eu ça? Wow! Oh la dinguerie, il y a des trucs de fou. Et Younes, s'il te plaît, dis-nous comment t'as eu ça. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir se manger dans tout ce tas? J'ai trouvé ça les gars, vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est des dattes au chocolat fou. Incroyable. Mais ça existe pas en France ça. Ça existe pas, ça c'est pour Myriam. Vas-y, j'ai. Oh, des Mika d'Oreo. Des chocobons crispy fourrés à l'intérieur, mais ça existe pas ça normalement. Il y a des gâteaux. Wow. Cette barre-là, elle a l'air d'être bonne. Rim bar. Je sais pas, elle vient de quel pays. Mais vous avez trouvé ça où, Younes? Je peux pas, Yassine, arrête de poser des questions comme ça. Oh, des risises. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre meilleure sélection et on mange pas tout, on en garde pour d'autres 24 heures. Ouais. On va voir qui va faire le meilleur petit déjeuner. On va commencer par Myriam et juste après, ce sera Younes. Donc, Myriam, je vois que t'as pris plusieurs petites boissons, tu vas venir faire un cocktail. Ouais, je vais vous faire un cocktail en multicolore. Oh, ça va être incroyable. Vas-y, montre-nous comment tu fais. On commence par mettre de l'eau. Ok. Ensuite, on commence par mettre le jus de pomme. De l'eau et du jus de pomme, mais ça fait bizarre, non? T'inquiète, t'inquiète. On met un peu de jus de pomme. Ah, j'ai capté. En gros, c'est un sirop à la pêche et à la pomme en même temps. Ça va être incroyable, c'est sûr. Dis-nous si c'est validé ou pas. Oh, on dirait les Mr Freeze. Ah ouais? Ouais. Oh la dinguerie. Franchement, c'est validé. Donc ensuite, tu vas enchaîner sur plusieurs trucs. Là, c'est quoi tout ça, là? Du moins bien, d'après moi, visuel et du meilleur. Mais par contre, Mia, il veut pas nous dire ça vient d'où tout ça, là. C'est relou. Vas-y, tu commences par quoi? Eh, les gars, des cookies M&M. Vous avez déjà vu ça dans votre vie? Waouh. Ça a l'air incroyable. Vas-y, teste en direct. Bismillah. Des cookies M&M, c'est une dinguerie, wesh. On dirait un brownie en M&M. Genre, ça a le goût d'un brownie. En vrai, je mets un note de 9. 9 sur 10, ok, c'est pas mal. Ce que je te propose avec ça, c'est que tu fasses un truc spécial. Quoi? Tu prends, tu trempes dedans et tu manges. Tu me fais confiance ou pas? Ok, mais alors j'en prends un normal alors. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu des Mikado Oreo? Je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Oh, c'est trop bien, c'est par petits paquets. Regardez, c'est gras, c'est tout gros. Wesh! Regardez comment c'est gros! Ah, ça a l'air incroyable! En vrai, c'est bon, mais ils avaient dit, regarde sur l'image, ils avaient dit qu'à l'intérieur c'est fourré. Et là, c'est pas fourré à l'intérieur. Et du coup, ça a le goût de quoi? On dirait pas des Oreos, on dirait du. Sérieux? Un peu du cookie. Oh, j'aurais pensé plutôt que c'était des Oreos. Maintenant, les amis, le plus important, on a ça. Younes, il veut pas nous dire ça vient d'où, mais je l'ai grillé. Parce que regardez derrière, il y a des écritures arabes. À mon avis, il a dû chercher ça dans un pays arabe. Vas-y, tu peux pouvoir tester, Myriam. Là, ça. Des chocobons crispy fourrés. Ils sont énormes, Myriam. Oh, ça sent trop bon, les gars. Waouh. Montre à la caméra. Vas-y, à l'intérieur. Croque. Les gars, regardez, j'ai essayé de découper mon truc et regardez, je trouvais quoi à l'intérieur? Ah ouais, c'est vraiment multicolore. Il y a du blanc, il y a du marron, il y a du noir. C'est validé. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est meilleur que des chocobons normales ou pas? Bien sûr. Sérieux? Pour son petit déjeuner, je lui mets la note de 9 sur 10 parce que c'est vraiment beaucoup recherché. Il y a des produits qu'on connaît pas en France, c'est sucré. Et franchement, pour moi, je suis team sucré le matin, donc franchement, 9 sur 10 pour toi, bien joué. Merci. Voici ma table du matin, les gars. Ça n'a rien à voir avec Myriam. Quand vous entrez en compétition avec moi, sachez que vous avez perdu d'avance. Je te laisse filmer, alors regarde mon pote. Ici, on a les nouveaux bails interdits en France. On peut pas vendre ça en France, les gars. C'est que dans un pays que je peux pas dire. On a des nouveaux Malteser, des barres interdites en France, pain au chocolat, des gaufres, des Kellogg's, mais des ouais. Princes. Regardez, je suis choqué. Non, là c'est pas à moi. Wow. Yassine, ça... Wallah, c'est pas à moi maintenant. C'est quoi ça? Elle a voulu me saboter. Regarde, elle a ramené quoi? Choqué de sa table, les gars. Oh, c'est des bounties. Je vais voir, attends, je zoome. Oh la D. Oh. Touche pas. Tu veux voir un truc? Non. Le nombre de calories. Vas-y, mon gars, tu peux tester. Hein. On va ouvrir. Bismillah. C'est magnifique, c'est fantastique. Et toi, arrête. Quoi? Moi, je t'ai pas fait ça ton petit déjeuner, ça c'est pas ce que tu fais. Je me mets là. Juste parce que tu veux gagner. Non. C'est super. Tiens, regarde, dis la vérité. Non, c'est à moi. Maintenant, on va envoyer les Maltesers. Regardez, il a quoi dedans? Mais voilà, c'est bon, moi j'arrête. Myriam, avertissement, recommence encore une fois à le saboter et tu perds toute la vidéo. Moi j'arrête le 24 heures si c'est comme ça. C'est bon, tu peux reprendre. Vous voyez les Maltesers d'habitude, c'est dans une grosse boîte. Ouais. Genre, ça fait que des gros crânes. Et ben là, ils l'ont fait en biscuit. Oh, ça a l'air incroyable. T'as vu? Monsieur l'arbitre, c'est blanc ça. Regardez, c'est blanc. C'est marron. C'est blanc, monsieur l'arbitre. C'est marron, c'est marron. Blanc. Je vous biglais. C'est le paquet qui est marron, qui est blanc. Regardez-moi ça. Des biscuits Maltesers. Mais est-ce que ça va être bon en biscuit? Parce qu'à tout moment, ça peut flop. Tremper, il faut le tremper, bah oui.
Lait. Oh, je suis obligé de t'en laisser un peu parce que j'étais ma petite sœur, on est en compétition, mais je suis obligé. Écoute-moi, ça a été mes réveils. J'ai le droit? Ouais, oui, tu peux. T'as le droit. C'est fantastique. Ils ont réussi à mettre le goût d'un Malteser dans un biscuit. Regardez, 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 regardez. Elle par contre, Younes, je sais pas comment t'as eu tout ça, mais c'est une dinguerie. Hein. Je peux pas dire, je peux pas trop expliquer. Et les gars, ça, c'est une barre qu'on peut retrouver. Oh, j'ai failli le dire, je crois. Mais dis-nous, vas-y, dis-nous, on veut tout savoir. Vous allez savoir bientôt, Inch'Allah. Et vu les gars qu'elle a fait un voyage de moins 7 heures, c'est ça? Attends, il a dit un voyage de 7 heures, on a un indice. Elle s'est pris des patates quand même. Ah, ça me fait penser à. T'as eu les Kinder là. Comment ça s'appelle, Yacine, déjà? Même il a mangé. Les Kinder. Fais pas genre, tu sais pas, tu manges ça tous les jours. Les Kinder. Oh, délice. Ouais, voilà. Et est-ce que ça va être aussi bon? Qu'est-ce qu'il est, c'est que c'est mou et genre c'est pas trop sucré. Ah, ça c'est incroyable. Ça va pas être nous écœurer. Donc les gars, moi je finis mon petit repas et Yacine, on est d'accord. Je l'ai explosé. Myriam, je suis désolé, je t'aime bien, mais il t'a explosé pour le petit déjeuner. Je suis trop content, je pensais qu'avoir la couleur marron ça allait être super dur, mais j'ai trouvé plein de riz et je suis sûr qu'il y a au moins un riz marron. Donc là, je suis en train de regarder. En vrai, il y a le riz cantonné. Non, c'est plus. Mais c'est blanc. Ça c'est blanc, ça ouais. Oh, j'en ai un. Poulet, ah mais il y a du poulet, vas-y j'ai le seum. C'est beige le truc. Les gars c'est marron, non tu vas pas m'arnaquer. Je prends ça déjà pour mon premier ingrédient, je prends du riz. Moi pour multicolore personnellement en boisson j'ai pris des bubble tea. Mais les gars c'est une couleur ça, genre c'est rose, orange, jaune. Bah non, regarde là tu vois bien que c'est deux couleurs là, non? Vas-y je t'accorde pour celui-là mais après la prochaine fois fais de ton mieux. C'est à la mangue. Ils vendent des lamelles de kebab, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre un côté riz, un côté kebab. Ça va faire un de ces repas savoureux. En plus on a tout ça de kebab, là je vais être calé au moins. Attends, on va regarder les couleurs parce que toi t'es malade. C'est quoi les couleurs qu'il y a là? Rouge, beige, blanc et tout. Il y a grave des couleurs. Ouais, t'as de la chance. Pour le dessert, j'ai trouvé ici un yaourt au caramel. On dirait pas une danette? Ouais, on dirait une danette. En plus, il y a des protéines dedans. Comme ça, je vais être encore plus musclé. Bah, du coup, je peux prendre ça. C'est bon en vrai. Ouais, tu peux. Il y a des bonbons. Je vais choisir mon dessert. C'est parti. Oh, c'était sûr, les gars. En plus, tout ça, c'est multicolore. Regardez. Alors... Elle peut se prendre vraiment tout ce qu'elle veut. Toutes les couleurs. Qui prend ça? Expliquez-moi qui prend ça. C'est des médicaments. Ah non, laisse tomber. Tu devrais prendre un truc bien. Oh, je regarde cela. Ah regarde ouais, cela. Fais voir les couleurs qu'il y a dedans. Il y a noir, il y a bleu, il y a rose. Bon, en vrai, tu peux prendre cela, Myriam. Ouais, on va prendre elle. Avant d'aller manger, on va se trouver des habits, moi multicolores et lui marron. Mais en fait, moi j'aimerais bien me trouver un nail comme ça on est un peu dans le thème. Et... Parce que là, on n'est pas trop dans le thème là. Ouais, moi je suis plus black. Vas-y, viens, je t'emmène. T'as un magasin qui est juste là-bas là. Vous allez voir, j'espère. En fait, elle veut trop un Nike Tech. Ouais. Mais je sais pas s'il y aura Nike Tech. Hein. On va regarder, je te promets rien, ça s'appelle Nash Sport. Voilà. Les gars, on est en train de chercher son survêt Nike Tech. Il y a des paires de fous malades en multicolore. Des survêtes, elle est en train de faire le tour là. Mais moi j'ai des survêtes incroyables. Je vais te demander. Tu vas demander au monsieur s'il a des Nike Tech. Ouais, s'il a un Nike Tech. Vas-y, va demander. Les gars, ça c'est une boutique. Il y a que des trucs de ouf. Regardez la veste North Face. Ça, genre, vous pouvez pas les trouver. Il y a des pubs de malade. Moi, je pense que je vais faire mon choix. Regardez-moi ce t-shirt. On a fait nos achats. Là, on va se changer. On va être plus dans le thème. Et après, on va grailler. Vous en pensez quoi de mon nouveau pull? Il est trop stylé, trop simple. Je suis complètement dans le thème. Même toi? Incroyable les gars. Donc Myriam va commencer pour son repas du midi et elle a fait très fort. J'ai vu qu'elle avait le seum qu'elle avait perdu au repas du matin. Et là c'est une dinguerie, vas-y présente-nous ce que t'as ramené. Déjà j'ai ramené une pizza margarita avec plusieurs couleurs que vous pouvez voir. Ça c'est juste pour que Yacine dit elle a pris une margarita, je vais lui mettre plus de points. Un bubble tea avec plusieurs billes dessus, plusieurs couleurs. Glace avec plusieurs couleurs. Des bonbons de plusieurs couleurs. C'est carré dans l'axe. Donc vas-y, je vais te laisser commencer par la pizza. Et franchement, les gars, je suis choqué. La pizza a fait le taf. Hein. J'avoue, elle est un peu petite. Mais pour une pizza à 4 euros, c'est quand même bien. Moi, je sais pas si vous en mangez. Quand vos parents vont faire les courses, je pense qu'ils vous ramènent jamais de pizza. Ils disent c'est pas bon pour la santé. Ils ont raison. Mais en vrai, de vrai, les gars, quand vous allez être un peu plus grand comme moi, et prenez que des pizzas, c'est incroyable. Pour la grosse parquet, c'est coupé. On voit de la couleur jaune, de la couleur verte, rouge. C'est et bon, du on a compris, c'est multicolore. Mais... C'est quoi cette big part, frère? Cette margarita, c'est une set fromage. Ah, c'est une 5 fromages. Alors, t'en penses quoi? Est-ce que les fromages ils sont bons? Parce que je sais que les gars, il y a de l'emmental, ça tout le monde aime. Mais il y a les fromages en mode bleu. Et puis quand même, ça peut être un peu fort, t'as vu? Et regoute pour se rassurer. Non, vraiment, c'est vraiment incroyable. Ah. On va goûter le bubble tea pour se rafraîchir la gorge. Et ça, personnellement, quand je vais au magasin, j'en achète jamais, ça m'intéresse pas. Et là, t'aspires. En fait, c'est quoi la différence entre ça et un iced tea? Genre, c'est... j'aimerais bien comprendre. C'est à la mangue. Mais c'est 5 euros! Si ce serait pas la vidéo, je l'aurais jamais acheté. Regardez, on dirait que c'est le meilleur aliment de la vidéo. C'est grave bon. Il y a de la mangue
Et après, il y a de la fraise qui vient l'écraser. Bah, c'est bizarre, faudrait que je goûte un jour, les gars. Mais là, je peux pas, vu que je suis malade, je vais pas la contaminer. De ouf, ils ont mis plein de glaces là, du coup, c'est pas de l'arnaque. Et d'habitude, des glaces, c'est bien froid. Tu vois, en dessous des glaces, comment ça s'appelle, Magnum. Ouais. Il y a du chocolat. Là aussi, ils ont mis du chocolat. Bah, oui. Oh, les boss. Attends, ils ont mis du chocolat comme les vraies glaces. Ouais, tu penses, si tu la mets au congélateur, tu penses que ça devient une glace? Ouais, j'avoue, ça peut devenir. Mais est-ce que c'est du chocolat blanc, noir? C'est quoi qu'ils ont mis à l'intérieur? Un peu de chocolat au lait mélangé à du noir. Et tu mets combien sur 10? Je suis grave en passant de savoir. 10 sur 10, c'est incroyable. 10 sur 10. Oh, il y a toutes les couleurs. À chaque fois que je passe devant le rayon bonbon, il y a toujours des petits en train de pleurer avec leur mère. Achète-moi, s'il te plaît. Et la mère a dit non. Vu l'odeur, ça a l'air bon, mais après, je sais pas. Si, celui-là, je le mets dans le top 3. En troisième. Ouais. Dans le premier bonbon piquant. Ouais. Super, mon repas vous a plu et autour de Younes. Tu es devenue cuisinière? C'est toi qui vas préparer mon repas là? Bien sûr que oui. C'est bon, voilà. C'est carré. Maintenant, on va tout yetter. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? On commence par du bon Coca-Cola Lionel Messi. Eh, Lionel Messi, c'est pas le GOAT, c'est Ronaldo le GOAT. Hein. Ici, on a un petit yaourt au caramel. Il a l'air incroyable. Regarde, Yacine, pour ma note, il est classé A. Ici, c'est full marron, riz, kebab. Tout est marron, mon gars. Et si j'ai encore faim, des amandes. Ok, déjà pour la couleur, c'est bon, c'est carré pour toi. C'est 10 sur 10. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est parfait. Pas mal. Parfait. On va commencer par le kebab, ça m'intrigue trop. Par contre, du riz et du kebab. C'est super bon. Et t'avais pas trouvé de sauce marron? Non, j'ai pas trouvé de sauce marron. Désolé. Aïe, 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 aïe. Ça existe même, la sauce marron? Ah, tu perds des points, mec. La sauce marron, ça existait, frère. Attends, j'arrive. Attends, fais voir. Eh, hey mec, c'est orange. C'est toi qui m'as dit. Mec, c'est orange. Mais c'est toi qui m'as dit. Mais c'est toi qui dois être responsable de ce que tu fais. C'est toi qui m'as dit. Aïe, 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 tu perds des points, mec. Les Indiens, je vous kiffe, hein, mais arrêtez de manger tout le temps piquant. C'est la langue, c'est fragile, la langue. Et je vous promets, les amis, le riz, c'est trop sous-coté. Nous, dans notre famille, on mange du riz que quand on est malade. Quand on n'est pas malade, dans notre famille, on mange des gâteaux, des chips, tout. Au caramel. Là, c'est marron, tu peux pas dire. Voir. Tu peux pas dire le contraire. Ouais, là, c'est marron. Wesh. Wesh, Younes, c'est quoi ça? Aïe, 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 aïe. Tout ce qui est diète, c'est pas bon, je comprends pas. Mais je comprends pas. Je suis obligé de me rafraîchir un peu la gorge avec Lionel Messi. Un bon Pepsi Chacal. Le Pepsi, c'est pas marron? C'est marron. Et on voit que c'est marron. Le repas de Younes, en vrai, je lui mettrais la note de 7,5 sur 10. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est que Myriam, elle a pris une pizza, les gars. La pizza, c'est mon repas préféré. Donc Myriam, elle remporte ce deuxième duel du midi. Quoi? Au moins, c'est un repas équilibré. Mais vas-y, c'est pas grave. On va se retrouver pour la belle ce soir. On va commander chacun un fast-food. Et on va voir qui aura la note finale de ce 24 heures challenge. Dernier repas pour Myriam. Donc Myriam, on va voir qu'est-ce que tu vas nous sortir. Ok, deux sacs. Elle commence fort. Et dans les sacs, c'est multicolore aussi. Ok, ok, ok. Oh, au pamplemousse. De quoi? C'est à l'ananas. Ah ouais, peanut apple. C'est quoi peanut apple? C'est Apple, les MacBooks. C'est un Fanta à l'iPhone. Vas-y, goûte pour voir. C'est un goût de Doliprane. C'est le goût de l'iPhone 12. Ouais. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le contenu du sac. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Elle a pris un burger qui est tagué. En plus, dessus, il y a marqué well done. Regardez, il y a du vert, il y a du noir, il y a du rouge, il y a du jaune avec le fromage. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Moi personnellement, j'ai bien aimé le burger parce que en fait on sent la mozza stick qui fait comme dans la mer que ça fait des vagues. Mozza stick a fait ça. What? Par contre, ce qui a rien à faire dans ce burger, c'est les tomates. Aïe, aïe, aïe. Bah après, c'est toi, t'as voulu prendre plusieurs couleurs. Les tomates, c'est rouge. Mm. T'as intérêt de te rattraper parce que là, il y a Younes après, il va faire des trucs de ouf, je le connais. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, il y a deux couleurs, donc c'est validé pour le multicolore. Il y a du pain au Nutella, je crois. Mais c'est pas du pain. Tiens, vas-y, bah goûte. Wesh, Myriam. Wesh. Mais regardez son pantalon! On dirait les sortes de gaufres à la fête foraine, mais en plus gros. On va passer maintenant à Younes, on va voir ce qu'il nous a préparé, c'est parti! Go! Prenez exemple sur moi, je vais aller à mon fast-food à pied et je vais exploser Myriam. Wesh! Wesh, je l'ai pris! Ça va, Younes? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah en fait, j'avais un peu faim, du coup, je peux manger avec toi, frérot, non? Mais non, mais Myriam, c'est mon repas là! Oui. Vas-y, viens, viens, viens. Prenez exemple sur moi, je vais à pied, je suis un vrai sportif, pas comme elle. Mais moi, au moins, je me fatigue pas! Vas-y, maintenant, comment tu vas faire pour la garer? Ok, ça passe. Et on va te la prendre. Hein. Non, je la rentre pas avec moi. Vas-y, bah rentre là, vas-y. La famille, vous inquiétez pas, c'est moi, je l'ai autorisé à venir. Jamais de la vie, elle va sortir tout seul, hein, sa grosse tête de pastèque. Puis, s'il y a du monde, vas-y, rentre là. Hein. Rentre ta moto. Okay. Allez, là, c'est mon fast-food. T'as compris? Si je veux, je te donnerai quelque chose. Mais là, il y a des tiramisu et tout. Tu voulais t'acheter? Regarde les sauces, il y a des sauces marron. Viens t'acheter. Tu vas acheter quoi, un tiramisu? Un plat et un dessert.
En vrai, vas-y, je vais te laisser. T'as encore faim? Oui. Ça veut dire que ton plat, il était nul? Oui. Dernier repas de la journée, j'ai pas fait le gamin. Eh, prenez-en compte, hein. J'ai invité Myriam parce qu'elle a dit que ça n'avait pas calé. Comment le burger, il était pourtant balèze? Hein? Veux que manger, les gars? Bon, c'est pas grave. Je vous présente mon repas. La famille spéciale marron, on a du poulet croustillant. Le poulet, il a été créé par Dieu pour qu'on puisse le manger. Merci, mon Seigneur, pour le poulet. J'en mangeais pas quand j'étais petit, j'ai découvert ça que quand je suis grand. Et là, je fais que de manger du poulet. On a ici des nems et on a enfin mon plat des. C'est du verre? C'est à moi, du coup? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Raboul, raboul, raboul. On va commencer, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Poulet, toi tu peux commencer par une name. Okay. Bismillah. Ça se tape avec tous les meilleurs poulets de Paris maintenant. Je vous le dis, ça se tape avec tous les meilleurs poulets de Paris. Il y a du miel, genre en fin de bouche, le poulet il est fondant. Il y a une chapelure, la chapelure elle est trop bonne, c'est réconfortant, genre ça te fait un câlin. C'est super, je mettrais 9,5 sur 10 pour vous dire. Dans ma name, tu sais, il y a quoi? Il y a les parcs d'attractions, ça fait leur looping. Toi aussi, t'as vu, c'est bon? Ouais. Les frères, je vous promets, ces restaurants-là, ils sont trop sous-cotés. On pense qu'à aller à des Burger King, tout ça. Mais ça, c'est trop sous-coté, c'est une dinguerie. Je t'ai laissé manger, mais c'est pas gratuit. La sauce piquante. Et les Sud-Coréens, tout, ils aiment trop ça. Ah, c'est bizarre, ça. C'est un goût de paprika mélangé du sel. Un bon mélange. Tout est marron, sauf l'haricot vert. Il se met de l'air. Tout est multicolore. Oh, il y a de la sauce curry. Ça, c'est pour tous ceux qui aiment les mangas, les One Piece. Bon, là, c'est validé. C'est un truc d'ancien, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais c'est super bon, 9,5 sur 10. Un tiramisu Kinder Bueno White. J'ai pas le droit de le manger parce qu'il est bien blanc. Oh là là, la masterclass. Ça, ma mère, elle l'a fait super bien. Donc, on va comparer si c'est aussi bon. Il y a ma mère derrière, elle a fait ça. Je te dis, fais gaffe à ce que tu vas dire. Ça peut jouer sur ton avenir. Il y a un truc qui fait qu'elle n'est pas meilleure que celui de ma mère, c'est ça. Ah, ils ont mis des petits copeaux d'amande. Bon, la famille, on arrive à la fin de la journée. Dites-nous en commentaire qui de moi ou Myriam a réussi le plus le challenge. Vous avez moi, vu gros. Mais n'importe quoi, tous mes trucs qui étaient marrons. Mmh. Elle avait des trucs un peu bourbire tout le matin, c'était timide. Tellement c'était pas ouf son truc, elle a encore mangé là, t'as vu. Donc mettez un gros like si vous voulez qu'on fasse la suite et dites-nous les prochaines couleurs pour la prochaine fois. D'abord.